Yo no hablo castellano, no hablo catalán, solo hablo francés, de nuestras lenguas es el portugués. Así voy a hablar en francés, me perdonen. Bona tarda. Estic profundament agraïda per l'honor que se'm fa en atorgar-me aquest doctorat que portaré amb orgull i que espero honrar. Chère madame, cher monsieur, je voulais vous dire avant toute chose que je suis bien sûr très heureuse et très honorée de recevoir cette distinction de la part de votre université. Cela a beaucoup de sens pour moi, car le mot même d'université, qui renvoie à l'universalité, rappelle à quel point l'éducation par tous et pour tous, est un enjeu crucial de toute société et de toute civilisation. Dans mon travail de musicienne, j'ai toujours recherché le résultat artistique, bien sûr, mais je ne l'ai jamais conçu comme séparé du monde social. Comme toute personne, mais peut-être davantage encore, l'artiste a une responsabilité envers l'ensemble de la société et doit toujours se demander en quoi sa démarche, au-delà de la justesse esthétique qu'elle poursuit et du plaisir qu'elle procure, peut contribuer à l'émancipation et à l'enrichissement spirituel du plus grand nombre. Quand j'ai créé le Centre pour les études des arts à Bellegarde, je l'ai tout de suite pensé comme un lieu de recherche et de transmission où chacun viendrait non pas pour atteindre des objectifs fixés à l'avance, mais pour évoluer et se transformer lui-même. C'est pourquoi je l'ai associé à la fondation d'une école primaire expérimentale et d'un cœur d'enfant. Donc, je crois que la pratique artistique s'inscrit dans une approche éducative beaucoup plus globale. Celui ou celle qui grandit en ayant l'impression qu'il peut s'exprimer subjectivement à travers l'art adopte une attitude différente à l'égard de tous les autres apprentissages. Il n'est pas seulement plus créatif, il est aussi plus critique et plus libre. J'ai toujours préféré le terme de transmission à celui d'enseignement. Il donne le sentiment d'une continuité, d'un relais nécessaire. Il rappelle aussi que nous sommes traversés par les choses, mais que nous ne les possédons pas. Cela pourrait être la formule d'une éthique. Non pas prendre ce qu'on ne possède pas, parce que ça c'est du vol, mais donner ce qu'on ne possède pas. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus dur et normatif. La compétitivité envahit tous les secteurs de l'activité humaine, le rapport aux choses, aux êtres et au temps, nous est de plus en plus imposé. Nos comportements sont de plus en plus prescrits. L'humanisme semble parfois un idéal dépassé. Cela, nous le savons tous, mais nous nous sentons souvent impuissants à le combattre. L'université, dans son ensemble, est un des lieux où on s'efforce, avec des approches très variées, de penser ce phénomène. Le penser, c'est déjà un peu le déjouer, c'est déjà un peu résister.
mon expérience de musicienne qui me vaut d'être aujourd'hui parmi vous, m'a persuadée que l'art pouvait lui aussi contribuer à cette résistance en permettant à ceux qui le pratiquent, les enfants bien sûr, mais pas seulement, de développer des défenses intimes face à l'oppression de la norme. Bien sûr, l'art, il n'accomplit pas de miracle, ne met pas la fin à la violence et aux inégalités toujours croissantes, aux haines et à la division. Il n'apporte pas de solution à l'urgence climatique, au génocide animal, à la destruction des espèces et à la mise à mort de la planète. Mais il permet à chacun, en développant son autonomie et ses capacités perceptives, de prendre une libre conscience du monde et de s'ouvrir aux autres en tant que personne et que citoyen. C'est à mes yeux la condition de toute espérance. Je vous remercie de tout cœur.